comme beaucoup, à la radio, par quelques disques qu'achetait mon papa à l'époque. Mais il est vrai que petit, moi, ce que j'ai énormément écouté, c'est plus du jazz et de la musique afro-cubaine. Ado, bah, j'écoutais tout ce que tout le monde écoutait à la radio. Donc c'était de la pop, c'était du rock. C'était le début de la musique électronique, de la house, tout ça. Un peu après, ben, au collège, et ben, c'est là que je me suis mis à fond dans la culture hip-hop. Donc avec le rap, le beatbox, la danse, le graph. Donc, et j'ai évolué là-dedans, voilà, jusqu'au Saiyan. Et à partir du Saiyan, ben, pendant 10 ans. Et ce qui m'a amené tout doucement, ben, voilà, à la soul et au funk, au blues, donc du coup, qui sont les racines un peu de cette musique rap que j'aime tant et que j'écoute toujours aujourd'hui. Alors le clip, malheureusement, elle ne figure pas dans le clip. Voilà, elle n'a pas pu être présente sur le tournage, chose qui arrive. Par contre, en studio, ça s'est très bien passé. À la star des autres titres, on l'a enregistré à Paris. Voilà. Donc on s'est vu en fin de semaine, je ne sais plus trop quel jour. Et c'était vraiment cool, vraiment vraiment cool. On a passé une grosse partie de l'après-midi ensemble. Elle est arrivée voilà, avec son texte déjà préparé, la ligne mélodique déjà prête. Et puis voilà, il ne restait plus qu'à se mettre devant le micro, à chanter ensemble. Et c'était cool. C'était vraiment cool, on s'est bien marré. Il y a eu des prises bien bien drôles. Ouais, c'était vraiment cool. Je suis très content parce que ça... Enfin j'ai de la place pour pouvoir voilà, montrer qui je suis. Ce qu'est ma musique, comment je la ressens, comment je la vis. C'est dur de trouver de l'espace, donc je suis bien bien content d'en avoir aujourd'hui, c'est cool. C'est une belle émission qui reçoit des super bons musiciens. Donc me retrouver à côté de tous ces musiciens, et en particulier aujourd'hui, accompagné de Fred Wesley, c'est vraiment super, c'est vraiment extra, vraiment. Le retour, je dirais pas retour, parce que les artistes soul en France, ils sont là depuis un bon moment quand même. Ils sont présents, mais malheureusement pas dans le paysage musical global en France. Après, il y a cette mouvance soul, revival, qui est là, qui est installée maintenant depuis un petit moment, depuis Amy Winehouse, on va dire, qui a vraiment marqué le coup. Ben l'oncle Soul fait ça depuis très longtemps. Enfin voilà, il a toujours adoré cette période-là musicale, et enfin voilà, cette période tout court, les années 60. Donc, pour ma part, je pense pas faire de la Soul Revival. Je pense que c'est ma Soul à moi. Il suffit de bien l'écouter. Et j'ai perdu ta question, donc je ne sais plus quoi te répondre, pour être franc. Oh. Ah, tu me demandes de faire le DA de radio. Faut que ça aille vite, faut un refrain, tac tac, 40 secondes, on a le refrain, les gens ils le chantent, enfin voilà quoi, c'est la chanson, tu la retiens, t'entends une fois, c'est bon quoi, c'est dans ta tête, voilà, faut pas que ce soit compliqué, faut que ça parle à tout le monde se reconnaît dans la chanson, donc voilà, hein, c'est ça un tube c'est ça, c'est voilà, hein. C'est ça, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, la mélodie. Voilà. Ah ouais. C'est un tube, c'est ça le tube. Voilà.
Voilà. Tube. Tu vois ce que je veux dire? Je redeviens sérieux. La chanson parfaite. Eh ben, je ne sais pas, parce que pour moi, il n'y a pas de chanson parfaite. Même dans la plus belle des chansons, ben, même si la chanson est sublime, ben, il y a peut-être une personne pour qui cette chanson ne sera pas parfaite. Donc pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, chanson parfaite. Ça ne devrait pas exister. Qu'est-ce que je groove? Little Dragon. Michel Endigocello. J'écoute James Brown en ce moment énormément. Beaucoup, beaucoup. Un chanteur qui s'appelle Carrie Lemuel. C'est super beau. C'est super joli. Non. Non. Quel menteur. Mais c'est déjà une question qu'on m'a posée, ça. Pas du tout. J'ai pas menti. On attend de savoir si c'est vrai. My friend, don't you feel the pain over me and so.